Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait la présentation de Paris-Roubaix homme, Paris-Roubaix masculin. On va revenir sur cette course qui va faire 255 km. On va analyser le parcours, on analysera également la météo, les favoris. On verra également les équipes en présence. Et puis le programme télé, je pense que la vidéo sera peut-être un peu plus courte que chez les filles, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de Paris-Roubaix, de ma passion pour cette course, dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur la chaîne, dans la playlist Paris-Roubaix, en passant, parce qu'il y a une playlist spéciale pour tout le bloc Paris-Roubaix. Et comme, voilà, on en aura parlé énormément, et puis je ne peux pas vous parler beaucoup plus de l'état des pavés, car la course féminine... Bon, certes, elle est déjà partie, mais elle est loin d'être encore arrivée, et donc il va falloir que je regarde tout ça après. Et je pense que la vidéo va être assez courte, parce que je suis un peu en retard au niveau timing aujourd'hui, je suis un peu à la bourre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du parcours, n'hésitez pas à me noter vos favoris également. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, ce qui est déjà très important, vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la course. Bon, Paris-Roubaix, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de Paris-Roubaix de 25 minutes. Troisième monument de la saison, mon préféré pour moi. Beaucoup de pavés. C'est aussi dans cette avant-course, on va parler de la différence entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix pour bien vous montrer qu'il y a une différence entre ces deux courses. Premièrement, Paris-Roubaix, c'est des pavés à plat. Contrairement au Tour des Flandres où c'est des pavés en montée. Deuxièmement, les pavés sont dans un moins bon état à Paris-Roubaix autour des Flandres, car il faut savoir que sous les pavés à Paris-Roubaix c'est de la terre, alors que parfois autour des Flandres on a des secteurs pavés avec du ciment en dessous, ce qui permet d'avoir une stabilité quand même, un maintien au niveau des pavés dans le sol. Là c'est comme si vous mettiez des pavés autobloquants dans votre jardin, hein. Vous allez voir qu'au bout de 3 ans, 4 ans, il y a des pavés qui vont s'enfoncer, alors que si vous les mettez avec du ciment en dessous, techniquement il y a une résistance qui va être un peu meilleure. Petit moment bricolage du mois d'avril. Du côté de Paris-Roubaix également, la différence avec le Tour des Flandres, il y a une chouille moins d'ambiance, mais il y a plus de tension pour moi dans le peloton. Et puis à la différence du Tour des Flandres, souvent la route se rétrécit au moment du secteur pavé. Au Tour des Flandres, par exemple le vieux Coirmont, ça se rétrécit déjà 2 bornes, 3 bornes en avant. Donc c'est-à-dire qu'avant de rentrer sur le secteur pavé, on a déjà parfois un moment d'accalmie. On n'aura pas ça sur Paris-Roubaix. On va rentrer sur les secteurs hyper vite parce que le rétrécissement de la chaussée se fait souvent au moment de l'entrée dans le secteur pavé. À part dans certains secteurs où la route est déjà un peu étroite avant. Mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au passage à niveau. Il y a celui de Pont-Gibus notamment. Il faut faire attention que ça nique pas la course. Parce qu'il y a une année, ça avait failli le faire. Maintenant, la SNCF essaye de se débrouiller pour éviter le passage des trains. De toute manière, le jour de Paris-Roubaix, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de monde dans les trains jusqu'à 17h. Et puis c'est arrivé au Vélodrome, qui est toujours atypique aussi. Bon, on en reparlera ensuite, après. On regarde tout de suite la course. Contrairement aux filles, on a 125 km en plus. 257 km et demi en tout, pas de gros changements au niveau du parcours cette année. On part de Compiègne pour arriver toujours à Roubaix sur le même vélodrome en passant par les mêmes régions, c'est-à-dire en frôlant l'Oise, en passant dans l'Aisne et puis en arrivant dans le nord, donc comme habituellement. Pas de surprise sur cette édition. Vous le voyez sur le profil. On va avoir une première heure sans premier kilomètre de course sur du goudron. C'est ça aussi la particularité de Paris-Roubaix, c'est que les 100 premiers kilomètres de course sont sur du goudron. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non, ça va rouler très fort. Surtout maintenant, depuis que la course est diffusée en intégralité. On l'a vu, hein, c'est la première année, je crois que c'était Mathieu Heyman, l'échappé met beaucoup de temps à sortir désormais. Alors, c'était déjà le cas avant, mais maintenant, c'est encore plus le cas parce que tout le monde veut se montrer à la télévision. Donc, l'échappé va mettre beaucoup de temps à sortir. Donc, on risque de rouler à plus de 45 de moyenne sur ces 2 premières heures de course. L'année dernière, on se souvient, c'était à ce moment-là qu'il pleuvait énormément sur la course. Hein, et il y avait des coureurs qui avaient vraiment explosé bien avant les premiers secteurs pavés. Je me souviens d'un Total Energy. Je ne sais plus si c'était Fabien Grelier ou un autre coureur qui avait explosé, mais en étant dans l'échappée, genre au bout de 70 km de course, il avait complètement explosé. Premier moment important de la course, je dirais, c'est le passage à Saint-Quentin.
Le passage à Saint-Quentin dans les Yvelines, Saint-Quentin dans l'Aisne plutôt. Saint-Quentin, la ville de Xavier Bertrand également, pour ceux qui ne sauraient pas. À Saint-Quentin, la course va un peu changer de physionomie. En début de course, les leaders, je dirais pas, vont se désintéresser des avant-postes, mais presque. Ils vont faire quand même attention de ne pas bouffer devant. Mais le placement n'a pas une grande prépondérance parce que les routes sont quand même très larges. On est sur des grosses nationales. Faut faire attention aux ronds-points. Mais sinon, c'est pas hyper dangereux. À partir de Saint-Quentin, on arrive à 20-30 km du premier secteur pavé. Et donc, à partir de Saint-Quentin, la course va changer. Parce que la tension va augmenter, parce que l'objectif est de ne pas se rater avant le premier secteur pavé. Si je regarde, Saint-Quentin, si je retrouve, alors c'est dans l'Aisne, voilà, Saint-Quentin, c'est au kilomètre 202, donc on est après 55 km de course, on arrive à 40 km du premier secteur pavé. Donc à partir de Saint-Quentin, la course change un peu, c'est-à-dire que la physionomie de la course devient un petit peu différente. Et puis après, eh bien, on arrive assez vite dans le Valenciennois. Il y a une autre ville aussi où ça va changer un petit peu. Quand on rentre dans le nord à Bussigny, où là vraiment la course change parce qu'on arrive voilà à 15 km du premier secteur pavé. Donc à Bussigny, un peu après Fresnoy-le-Grand, là aussi hein, la course change et s'anime beaucoup plus. Premier secteur pavé, le secteur 30, qui est maintenant un peu une habitude sur ce Paris-Roubaix. Eh bien, c'est le secteur de Trois-Villes à Inchy, secteur catégorie 3, 2,2 km. Secteur où il faut faire attention parce qu'on est avec un peloton qui est énorme. Donc, faut faire attention au placement. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, jusqu'à Aveluy, presque, ou à Montchaux-sur-Écaillon, on va dire, être mal placé. C'est pas, alors vous allez consommer de l'énergie, mais c'est pas irrattrapable. Voilà. Avoir une crevaison, je dirais, dans les 5-6 premiers secteurs pavés, c'est pas irrattrapable. On l'a vu avec Vanda Vermaat. Si vous êtes dans un grand jour, vous pouvez faire la différence. Trois-Villes à Inchy, secteur catégorie 3, on est au kilomètre 96. Ensuite, on a Viesly à Kievi, secteur catégorie 3. Puis Kievi à Saint-Piton. Secteur 4 étoiles, faire attention, il est très long, 3,7 km qui vit à Saint-Piton. C'est là où le coureur de Crélan était mort, je crois me rappeler, d'une crise cardiaque. C'était, je crois, dans ce secteur-là. Et j'ai oublié son nom, ce qui est terrible. Mais je crois que c'était dans ce secteur-là. Mettez-le moi dans les commentaires hein, si je me gourre, parce que là je suis pas sûr de moi du tout. Donc secteur 4 étoiles qui fait 3,7 km, qui est vie à Saint-Piton. Donc c'est le premier, enfin le début quand même est assez hardcore. Après Saint-Piton, on va avoir 5 km, on va commencer à regarder un petit peu qui les coureurs sont en méforme, et puis on va regarder où est son leader, est-ce qu'il faut le ramener de l'arrière. Voilà, il va y avoir un moment peut-être un petit peu de temporisation avant le secteur de Saint-Piton qui est classé 2. Ensuite on a le secteur 26 qui est le secteur de Vintin à Saint-Martin-sur-Écaillon, kilomètre 117. Donc là on aura fait que 20 km entre le premier secteur et celui-là, mais on aura déjà enchaîné 11,5 km de pavé en 20 km. Donc faut quand même l'avoir en tête, le début de section pavée, il fait un peu mal aux pattes. Enfin voilà, il est quand même assez chargé. Ensuite, on a donc Saint-Martin sur Écaillon, puis aussi qui ne sont pas forcément les secteurs de l'année, avec derrière Saulzoir à Verchin-Beaugré qui est le secteur 24. Là, on va pas se mentir, on est dans une phase où il devrait pas y avoir énormément de courses. Alors ça va rouler quand même fort, mais ça devrait pas être compliqué. Ensuite, on a le secteur de Kerena, de Verchémogré à Kerena, et Kerena à Main. Voilà, donc ces secteurs-là qui sont classés 3, 1,6 km pour le premier, 2,5 km pour le deuxième, secteur 23 et 22. Et à partir de là, on va rentrer dans la phase de course avant la trouée d'Arenberg, où là, ça va de nouveau, il va y avoir un coup de vis, notamment sur le secteur de Main à Monchon sur Écaillon, où là, certainement, on va tenter un petit coup de vis, on va accélérer parce qu'on sera à 110 km de l'arrivée, mais surtout à 20 km de la trouée d'Arenberg. Et puis, bien entendu, avant la trouée d'Arenberg, peut-être un secteur qu'on oublie toujours un petit peu de citer, mais Aveluy à Valers,
2,5 km, des pavés qui sont pas beaux, 21,5 km, il est toujours entre 4 et 5 étoiles, mais il est vraiment pas beau à Velluy à Valers. Il faut pas le négliger, ce secteur-là, au kilomètre 153,7, on sera donc à moins de 10 km de la Trouée d'Arenberg. Et là, bien, entre Velluy à Valers et la Trouée d'Arenberg, les secteurs en goudron sont très rapide. C'est-à-dire que après Monchon sur Écaillon, avant Velluy à Valers, on va rouler très fort. Et pareil, après Valers, vers la Trouée d'Arenberg, on va rouler très fort. Bien entendu, à 100 km de l'arrivée, un peu moins, on rentre dans la Trouée d'Arenberg. Et là, on rentre dans la course qui devient totalement différente. La Trouée d'Arenberg, maintenant, c'est plus un moment où on gagne la course à ce moment-là. Mais c'est vraiment le moment où les hostilités se déclenchent et où, à partir de ce moment-là, tu sais très bien que les coureurs qui sont pas en forme, ils sont derrière, les coureurs qui sont devant, ils vont être au top. Et c'est là où ça devient une course où les équipiers n'ont plus beaucoup d'intérêt. Être seul à la Trouée d'Arenberg, bon, c'est un petit désavantage, mais là, ça joue vraiment à la condition physique et il faut pas se rater. En haut de la Trouée d'Arenberg, faire attention, on a 6-7 km avant le secteur de Valers-Ailem, secteur catégorie 3. Et faire attention, souvent au haut de la Trouée d'Arenberg, il y a pas mal de petites attaques, ça ne débranche pas du tout au haut de la Trouée d'Arenberg parce qu'on essaye de faire des différences et souvent il y a des petites attaques, donc c'est une course assez animée en haut. Ensuite, donc Valers-Ailem, 1,6 km, on sera à 25 km de pavé à ce moment-là, secteur catégorie 3. Puis Ornain à Vendigny, secteur 4 étoiles, qui est au kilomètre 174. On sera à 3,7 km de secteur pavé. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un parcours qui est similaire à la course des filles. À partir de Ornain à Vendigny, voilà, les 17 derniers secteurs sont communs à la course des garçons et des filles. Donc je vais peut-être un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit du côté de la course des filles. Donc ensuite, Varlin-Brion, Tillois à Sarcey-Rosières, secteur catégorie 4, au kilomètre 185,6. On sera à 34 km de pavé, il en restera encore 20. On aura ensuite Beuvry-Lacheforêt à Orchy, puis Orchy tout court. Auchy-les-Orchies à Bercé, kilomètre secteur 4 étoiles qui est compliqué. On est à 50 km de l'arrivée à ce moment-là et c'est le fameux enchaînement Auchy-les-Orchies-Bercé à Mont-en-Pével. C'est-à-dire que Orchy, Auchy-les-Orchies à Bercé et Mont-en-Pével, ça s'enchaîne en 10 km et c'est costaud. Ensuite, on a Mérigny à Avelin, Pontibault à Nevelin, Templeuve qui se déroule en deux morceaux. Il y a une première section de 200 km qui classait une étoile, mais tout le monde le dit, le pavé est vraiment en mauvaise qualité du côté du secteur de l'Épinette au kilomètre 223,4. Puis ensuite, Templeuve, Moulin de Vertin, 500 mètres, mais le pavé est un peu meilleur. Puis Sizouin à Bourguel, secteur 3 étoiles. Et ensuite, l'enchaînement qui va faire mal. Donc à partir de Sizouin à Bourguel, l'enchaînement 7, 6, 5 et 4. Et 3, j'irai avec Gruson, en 20 km, on va enchaîner en moins de 20 km, c'est-à-dire en 15 km même, entre Sizouin à Bourguel et Gruson, eh bien vous allez enchaîner tous ces secteurs, dont l'enchaînement Canfin au Pével Carrefour de l'Arbre, où là, le groupe de vainqueurs va sortir à ce moment-là, s'il n'est pas déjà sorti à Mont-en-Pével. Et puis ensuite, donc, le secteur de Gruson. Faire attention à la transition entre Carrefour de l'Arbre et Gruson. Je pense qu'on sera encore vent de côté. Et puis, il y aura Willems AM, dit le secteur des champions, secteur 2 étoiles. C'est le secteur qui se rapproche le plus des secteurs pavés à plat de la Belgique. Les deux bandes d'asphalte sont neutralisées. C'est le fameux secteur des champions. Et puis ensuite, l'espace Charles Krupland du côté de Roubaix. Et cette arrivée au Vélodrome, toujours très particulière, 800 mètres, un tour et demi sur le Vélodrome, on fait deux passages sur la ligne d'arrivée, c'est toujours atypique, et parfois on peut se planter complètement sur cette section à l'arrivée. On passe à la météo, soleil 20 degrés avec un vent d'est-sud-est jusqu'à 25 km/h en rafale. Donc faire attention, même si les conséquences, il est un peu moins fort que pour la course des filles. Si on regarde bien, il sera plutôt de face dans les secteurs 9, 8, 7, 6. Il sera plutôt de dos pour l'enchaînement, Canfin en Pével, Carrefour de l'Arbre dans cette section-là. Il sera plutôt de côté, je crois, du côté de, enfin plutôt de dos également à Mont-en-Pével. Pour la fin de parcours.
Du côté, donc la météo, soleil, 20 degrés, va falloir faire attention pour certains coureurs, ce sont les premières chaleurs, avec la poussière aussi, parce que comme le terrain va être sec, il va y avoir de la poussière, ça se met sur vos bras, et ce qui fait que vous avez parfois du mal à suer, parce que vous avez une couche de crasse qui est sur vos bras, donc il faut faire attention, ne jamais oublier, la déshydratation arrive très régulièrement à Paris-Roubaix, parce que c'est très dur de s'hydrater, déjà c'est très dur de récupérer les bidons, même s'il y a des personnes à chaque fin de secteur, mais surtout, parfois on perd les bidons sur les secteurs pavés, et parfois la course est tellement animée qu'on oublie de boire, donc il ne faut vraiment pas oublier de manger et de s'hydrater. Du côté du palmarès, le dernier Français à s'être imposé sur Paris-Roubaix, eh bien, c'est toujours Frédéric Guédon. C'était en 1997, ça ne nous rajeunit pas. Gilbert Duclos-Lassalle, vainqueur deux fois, comme Marc Madiot. On a également la victoire de Bernard Hinault en 81, qui est le dernier vainqueur à avoir gagné le Tour et également cette classique. Sean Kelly, lui, a remporté... Non, Sean Kelly aussi avait remporté le Tour en 87, cette fameuse année 87, il l'a gagné deux fois, Sean Kelly, Francesco Moser fin des années 70 triplé, Roger De Vlaminck lui l'a remporté quatre fois, bien entendu dans les années récentes on a eu le match Boonen-Cancellara, Boonen l'a remporté quatre fois, Cancellara l'a remporté trois fois, Backstedt en 2004 aussi, enfin voilà le palmarès de cette course qui reste mythique. Du côté des équipes présentes, on aura donc toutes les équipes du World Tour, Bahreïn, Lotto Soudal, Astana, Quickstep, Jumbo, Israël, Ineos, AG2R, Trek, Groupama, Bora, Cofidis, DSM, EF Education Easy Post, Intermarché Ventigobert Matériaux, Bike Exchange, UAE, Movistar. On rajoute à ça les deux meilleures équipes de deuxième division qui sont invités d'office sur toutes les courses World Tour, Alpecin et Arkea. On rajoute également Total qui a fini 3ème du classement des équipes de 2ème division et qui a le droit de participer à toutes les classiques. Et vous ajoutez d'autres équipes de 2ème division, c'est-à-dire Sport Vlaanderen, BNB Hotel, Bingol, Wallonie-Bruxelles, enfin Bingol Power Sauce, pardon, maintenant, UnoX, qui seront également au départ de cette épreuve. Du côté des favoris, il est 13h35, nous sommes le samedi 16 avril, c'est-à-dire que je suis en train de rater un petit peu le début de la course féminine. Du côté des favoris, j'ai mis Van Der Poel parce que vainqueur du Tour des Flandres, parce que ça reste un top coureur. Il était quand même un peu fatigué du côté de l'Amstel, il est quand même bien entouré aussi, et peut-être que son équipe est même plus forte sur ce type de course, parce que les Merlier et autres, c'est quand même pas les coureurs qui passent le mieux les bosses. Sylvain Dillier a déjà fait deuxième de Paris-Roubaix, donc il a peut-être une équipe qui est encore plus performante sur ce type de course. J'ai mis Mats Pedersen, parce que faut faire attention de Mats Pedersen. Là, il n'y a pas les côtes pour Mats Pedersen. Il passe bien les pavés, c'est un coureur massif, même s'il risque de faire peut-être un peu chaud pour Mats Pedersen. J'ai mis Stephen Kung, pourquoi ? Coureur de la groupe AMA FDJ, qui fait pour le moment une excellente saison de classique. Même si, depuis la victoire de Frédéric Guédon, on peut pas dire que cette formation était vraiment en réussite du côté de Paris-Roubaix, ils se sont plantés déjà quelques fois. Mais Stephen King, pourquoi ? Parce que ses qualités de rouleur, et forcément quand vous avez des qualités de rouleur sur ce type de parcours, c'est un énorme avantage. J'ai mis également Victor Campenaerts, également avec les qualités de rouleur, il est capable d'être très performant. Par contre, il faut pas qu'il fasse trop d'efforts. Campenaerts, parfois, il fait l'erreur de faire l'attaque de trop. Là, il faudra qu'il soit beaucoup plus pragmatique au niveau de ses attaques. Du côté des coureurs à suivre, j'ai mis Christophe Laporte. On a le retour de Van Aert, mais qui revient de Covid. Laporte, ils se sont quand même bien plantés autour des Flandres, il faut le dire, du côté de la Jumbo, mais il était très fort. Il a quand même pas été aidé par des problèmes mécaniques. Là, on sait qu'il a déjà été performant sur cette course l'année dernière. On se souvient tous de cette image où il freine avec son pied au-dessus de la roue, ce qui est assez exceptionnel. Donc, il est capable d'être performant, mais parfois, la pression de jouer à domicile, ça peut être compliqué. J'ai mis Philippe Ogana. Encore une fois, les qualités de rouleur du côté de Philippe Ogana. Alors, certes, c'est pas un expert techniquement. Enfin, on l'a jamais vraiment beaucoup vu sur les pavés. Mais Ineos s'est pas planté depuis le début de saison. C'est peut-être la course idéale pour un rouleur, hein. Regardez Cancellara.
J'ai mis Casper Asgreen également. J'ai trouvé bon sur l'Amstel Casper Asgreen. Donc s'il est dans la même condition que sur l'Amstel où il a fini 5 ou 6, je ne sais plus, on va peut-être avoir du bon Casper Asgreen. Et là aussi, il y a des qualités hein, sur les pavés pour Casper Asgreen. Et puis avec Sénéchal qui, je pense, sera plus performant et qui connaît par cœur le parcours, ça peut être également un atout important pour la Quick-Step. Et puis j'ai mis en coureur, vraiment grosse surprise, j'ai mis Mathis Louvel. Flahut dans l'âme, Mathis Louvel. Bon, certes, 250 km, c'est peut-être un peu long pour lui, mais pourquoi pas, Arkea est en forme. Pourquoi pas Mathis Louvel. Du côté du programme TV, alors, on aura sur Eurosport 1 les Rois de la Pédale dès 10h30, et puis la suite, la course sur Eurosport 1, commentée notamment par Guillaume Di Grazia. Sur France Télévisions, direct à partir de 10h50 sur France 3, puis France 4 à 11h35 et de nouveau France 3 à partir de 12h55 pour le final de la course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mayac Production. Ciao ciao !